On m'a donné un grand pouvoir, les amis. Je vais pouvoir contrôler les gens. Alors dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais je vous jure, je vais avoir le contrôle du corps des gens. Par exemple, juste ici, les amis, on a un garçon qui est en train de jouer à la console, mais sa maman n'est pas contente et elle lui dit que c'est le dîner. Et apparemment, eh bah lui, il veut pas. Sauf que bah, il a pas le choix, frérot. Quand ta maman te dit que le repas est prêt, tu dois aller manger. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, je peux le contrôler comme ça, genre là, hop. Voilà, je peux le contrôler comme ça. Tu vas venir là et tu vas aller vers ta maman. Mais quoi? Attends, mais mec, alors là, la vie de ma mère. Il dit, ah, attends, j'étais en train de gagner. Attends, mais what? Attends, mais mec, je peux vraiment lui contrôler n'importe quoi. Regardez, hop là. Hey, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, hop, hey, hop, hey, ho. C'est n'importe quoi. En fait, je peux lui contrôler les deux jambes et les deux bras, mon gars. C'est n'importe quoi. Allez, hop, viens par ici. What? Pourquoi tape? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, non! Il a cassé son truc, c'est pas ce que je vais faire. Mais par contre, la vie de ma mère, tu vas venir ici. Toi, t'as un zinzin, tu viens par là et on va aller directement dans la cuisine, d'accord? Là, mais arrête un petit peu. Ici, voilà, il fait le grand écart, mon gars, c'est Michael Jackson, regarde. C'est n'importe quoi. Allez, dépêche-toi. Ok, go, go, go. On s'en bat les steaks du dîner. Mais comment ça, on s'en bat les steaks du dîner? Oh, mec, il a cassé. Il est en train de tout casser, frérot. Ouais, eh ben voilà. Let's go. Tu manges avec ta famille, d'accord? Tu peux faire le rebelle avec tes parents, mais tu peux pas faire le rebelle avec moi, vu que c'est moi qui te contrôle. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Par contre, excusez-moi, mais j'ai payé 3 euros pour ne plus avoir de pub. J'ai quand même des pubs. Non, mais ça m'énerve, ce genre de jeu. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Attends, il y a un volant là, je suis pas d'humeur, d'accord? J'ai payé 3 euros et on m'a arnaqué. Donc, attends, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Laissez de... Tu vas venir par ici là. Mais qu'est-ce qui... Va par ici. Non. Mais et s'il te plaît, laisse-moi voler cette voiture. Mais non, tu ne voleras pas cette voiture. Voilà, tu vas tout casser comme ça, on va t'entendre. Mais hé, hey, tu restes ici. Tu restes là. Mais, ah, mais mec, mais c'est pas possible. Je vais te faire faire l'hélicoptère avec ton corps là. Attention l'hélicoptère. Wouhou. Non mec, c'est n'importe quoi. Là, par ici. Là, là. Mec, il veut pas, hein. Là, comme ça. Allez, mais c'est pas possible. Tu vas venir par là. Qu'est-ce qui... What? Mais mec, il a fait une position à la Michael Jackson, là, il est comme ça, man. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait, le frérot? Mais c'est n'importe quoi. Ah oui, je dois casser des trucs. Voilà, comme ça, la famille va l'entendre, peut-être, je sais pas. Allez, mon gars, allez. Mais c'est pas possible. Tu vas venir par ici, d'accord? Et tu vas aller t'excuser auprès des gens. Non, s'il te plaît, ne m'emmène pas à la police. Bah alors là, la vie de ma mère, que bien c'est aussi. Mais gars, hé, l'achat. Wesh, il m'a balancé. Mais alors toi, la vie de ma mère. Comme ça, il est fou, il me balance des trucs dans la tronche. Là, tu vas aller à la police. Monsieur le policier, vous êtes un petit peu bizarre, mais enfermez-le, il veut voler une voiture. Let's go, il s'est fait arrêter, mon gars. Voilà, tu vas respecter le grand Wissard. Mais il est fou, il m'a balancé un truc dans la tronche, mon gars. Mais il m'a pris pour qui, lui? Alors, qu'est-ce qui... Oh là, oh là, là, attends, ils sont en Italie, là. Il y a la tour de Pise, mon gars, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, elle doit prendre une photo, me dis pas qu'on doit bouger la tour de Pise. Non, c'est n'importe quoi. Alors, attends, qu'est-ce que je dois faire, là? Mais je peux pas bouger. Attends, je comprends pas ce que je dois faire. Je dois bouger la tour de Pise ou... Ah non, d'accord, elle doit prendre une photo. Hop, tu vas venir par ici et tu prends... Attends, mais me dis pas que tu prends la photo comme ça. Ah, mais oui, la fameuse photo où apparemment tu tiens... Mais c'est qui, lui? Mais il veut quoi, lui? Mais attends, mais mec, c'est n'importe quoi. Ils veulent vraiment choper la tour de Pise. Je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est quoi, c'est... Mais y'a combien de personnes qui valent? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais c'est n'importe quoi, mais qu'est... Mais attends, mais mec, je ne comprends rien. Je dois faire apparemment une photo de famille. Ok, donc ça, c'est les enfants. Ça, c'est le papa qui est dans les airs. On ne sait pas pourquoi, hein, bien évidemment. Encore un jeu qui n'a aucun sens. Et la maman qui s'y met aussi. Mais arrêtez de faire des figures kung-fu comme ça, là. En mode, waouh! Mais c'est n'importe quoi! Ok, bon, bah, on va faire la photo. Ouais, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo de famille, mon gars? C'est la famille la plus déjantée de tous les temps. Il faut enfermer cette famille, les amis. Alors, apparemment, il y a le réveil qui sonne. Oh là, oh là là. Dépêche-toi. Tu dois aller à l'école, ma petite fille. Non, maman, je suis malade. Non, il n'y a pas d'excuse, d'accord? Tu vas te lever, tu vas aller à l'école. Mais elle est malade, la pauvre. Ou alors, elle fait genre qu'elle est malade pour rester à la maison. Non, tu vas à l'école. C'est important d'aller étudier, d'accord? Parce que sinon, tu finiras youtubeur comme moi. Voilà, donc c'est important de travailler. Est-ce que t'as envie de devenir youtubeur et faire des jeux qui n'ont aucun sens comme ça? Non, alors tu vas aller à l'école, mon gars. Je te traîne par la peau des pieds. Non, c'est par la peau des fesses. Mais ouais, elle est en train de tout casser. Non, tu viens par là. Non, attends, quoi? Apparemment, elle doit mettre ses affaires. Mais j'en ai rien à faire. Il n'y a pas d'affaires à mettre ou je sais pas quoi là. Mais c'est n'importe quoi. Viens par là. Non, voilà, bon, voilà. Mets tes affaires. What? Mais wesh. Ouais, je suis en train de la démembrer, mon gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Au moins, elle est en dehors de sa maison. Maintenant, tu vas aller directement. Allez! Allez, oh! Apparemment, je dois taper ça. Ouh, mais elle est malade, mais pourquoi elle a cassé ça? Bon, allez, allez, ça m'a saoulé. Allez, avance! Mais je suis bloqué! Attends, mais elle veut pas là! Elle veut. Bon, bah, apparemment, je suis bloqué, je vais devoir refaire le niveau. Donc, on fait tomber le pot de fleurs comme ça, et cette fois-ci, tu arrêtes. Attends, mais mince, je lui. Non, 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 tu vas pas aller à ta maison, d'accord? Ça, tu le casses aussi, voilà, si tu veux. Elle casse tout parce qu'elle est pas contente, ce n'est pas mon problème, on va la mettre dans le bus. Voilà, tu vas dans le bus et tu vas à l'école et t'arrêtes de casser les bonbons pour être poli, d'accord? Allez, hasta la vista, c'est à
l'école que tu dois aller, ta place n'est pas dans ton lit, d'accord, jeune fille? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es nul, espèce de loser. Mais pourquoi tu l'insultes? Mais la pauvre! Mais pauvre Vanessa, d'où? Bon, alors lui, hey, reviens par là, tu vas t'excuser à Vanessa, d'accord? Tu arrêtes de faire n'importe quoi et arrête de casser tout là. Hey, qui penses-tu être? Je suis moi, je suis Wisform, d'accord? Donc tu vas t'excuser auprès de Vanessa, j'en ai rien à faire, je te prends par les pieds, voilà. Voilà, tu voles comme ça, tu vas aller t'excuser à Vanessa, dépêche-toi. Allez, vous êtes tous des cacas, mais arrête d'insulter tout le monde là. Et arrête de tout casser, mais c'est pas possible. Alors lui, je vous jure que je vais l'envoyer en prison. Mais regardez, regardez, on dirait qu'il fait les boutou, boutou, boutou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais arrête de tout casser. Là, 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 mec, mon gars. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il est allé dans le bureau du directeur. Attends, mais on était à l'école? J'ai l'impression qu'on était à la maison. Eh, je ne comprends rien à ce jeu. Alors, apparemment. Zizi, mais comment ça? Zizi, mais c'est n'importe quoi. Il était en train de dormir. What? Mais on n'est pas. Attends, mais on n'est pas du tout sur le même type de jeu là. C'est n'importe quoi. Apparemment, je dois lui prendre son épée et je dois aller le faire combattre contre des gens, c'est ça? Attention! Là! Va-t'en d'ici, toi! Mais mec. Attends, mais excuse-moi, mais ça n'a littéralement aucun rapport avec le jeu de base là. Je me suis transformé en chevalier, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Casse-le, mon dieu, casse! Voilà, comme ça, attention, bam! Voilà, mon gars! Attention, comme ça, voilà! Let's go! Et bon, c'est un niveau qui n'avait aucun rapport, mais c'est un niveau quand même fun. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On est dans un bar, les amis. Bonsoir, est-ce que vous êtes toujours en train de boire? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois te dépêcher de travailler, espèce de caca. Mais quoi? Non, laisse-moi tranquille. Attends, mais juste parce qu'il est en train de boire un verre, il y a une fille qui lui a dit, arrête de boire et va travailler. Mais fais ce qu'il veut, laisse-le tranquille. Eh, on va aller jusqu'à la meuf comme ça, et on veut lui casser comme ça. Voilà, casse tout là. Énerve-toi. Voilà, tu m'as rendu en colère. Voilà, casse tout. Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Bam, bam, casse tout là, comme ça là. Bam. Voilà, casse tout, mon gars. Bam, toi aussi. Voilà, encore une bouteille. Mais ouais, t'inquiète, tu vas tout casser. Voilà, énerve. Je vais balancer dans la tronche. Non, 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 non. Allez, vas-y, 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 vas-y. Énerve-toi un petit peu. Montre-leur de quelle boîte tu te chopes, mon gars. Va, tu mets des coups de pied comme ça là. Bam, bam, bam. Voilà. Et pourquoi il va dans le bus? Mais quoi? Attends, mais je pensais qu'on allait prendre notre revanche sur la fille qui nous a dit d'aller travailler, qui nous a insulté là. On est juste monté dans un bus, mais on va pas à l'école, on a 56 ans, frère. Encore lui? Mais c'est pas possible. Oh, je n'ai pas envie de travailler. Mais si, tu dois travailler. Wesh, c'est qui? Mais regardez sa tête à lui. Hé, toi, arrête de faire n'importe quoi et dépêche-toi. Ah, je crois que c'est son boss, ok, il est en train de travailler dans un magasin. Ah, j'en ai marre de ce boss. Non, t'inquiète, t'inquiète, tu vas aller bien travailler. Comme ça, tu vas gagner de l'argent, c'est parfait, comme ça là. Tu travailles avec tes pieds en arrière. Voilà. Je n'en peux plus, j'ai envie de dormir. Non, tu dormiras après. D'accord, mais mon gars il fait un moonwalk, regardez. Mais il s'est vraiment pris pour Michael Jackson, c'est n'importe quoi. A Billie Jean, make my son. A Billie Jean, nanana, nanana. Travaille, travaille et fais le grand écart. Oi, enlève tes sales pattes de moi, je fais ce que je veux, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, travaille, c'est bien, mon gars. Il a rangé le carton comme ça, mon gars. Oh là là, je n'en peux plus de ces jeux qui n'ont aucun sens. Et n'empêche, les amis, j'ai enlevé la connexion de ce jeu et du coup, je n'ai plus de pub. Du coup, finalement, mes 3 euros, eh ben, c'était quand même de l'arnaque parce que j'ai quand même de la pub. Donc, si vous jouez à ce jeu, enlevez la connexion, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, elle veut passer du bon temps et elle veut pas faire le ménage, la madame. Bah, si tu vas faire le ménage, c'est moi qui te le dis. Voilà, tu fais le ménage, bam. Voilà, tu t'occupes bien de ta maison, d'accord? Sinon, eh ben, tu t'as pas de maison. Voilà. Mais c'est quoi tout ça? Mais qui a fait caca par terre? Elle se demande pourquoi il y a autant de saleté par terre. Mais je me demande aussi, mademoiselle. C'est n'importe quoi. Je peux enfin regarder de l'opéra. Ok, bah écoute, si t'as envie de. Mais elle veut dormir en fait. Je n'ai rien compris, mais en attendant, je pense qu'elle n'avait pas du tout envie de faire le ménage. Et je la comprends, mon gars. Qui a envie de faire le ménage? Personne, mon gars. C'est énervant de passer l'aspirateur. Enfin bref, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal aux dents, mais j'adore les bonbons. Non, non, arrête de manger les bonbons, ça va te faire mal aux dents, d'accord? Tu arrêtes. Voilà, voilà, si tu veux. Oh. Bon, ben je l'ai balancé sur la tronche. Voilà, ça t'apprendra. Arrête de manger des bonbons. Arrête, arrête. Mais je vais te choper par la peau des pieds, d'accord? Normalement, c'est la peau des fesses. Et là, je te chope par la peau des pieds. Arrête de manger des bonbons. Laisse-moi tranquille. Non, je te laisserai pas tranquille. T'arrêtes de manger des bonbons parce que sinon, tu vas devenir énorme. Tu vas ressembler à une baleine. Et en plus, tu vas avoir les dents toutes pétées. Donc, tu arrêtes de manger. Mais wesh, mais elle est en train de s'énerver. Mais arrête. Regardez, elle fait des trucs comme ça là. Mais arrête de faire du kung-fu, d'accord? Est-ce que nous sommes au dentiste? Ah oui, on est chez le dentiste, mon gars. Regardez, je l'ai emmené chez le dentiste. C'est n'importe quoi. Elle est passée. Mais c'est n'importe quoi. Merci de l'avoir emmené chez moi. Maintenant elle se sent mieux. Ah bah tu m'étonnes qu'elle se sent mieux parce que là mon gars ses dents c'est comme du fromage, il y a des trous de partout. Voilà, attends attends, il y a un téléphone qui sonne. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, me dis pas qu'elle a la flemme. Mais non, mais mec, elle a la flemme d'aller répondre au téléphone. Mais va répondre au téléphone, ça se trouve c'est un colis que tu dois attendre et peut-être que dedans il y a genre 1000$. Mais arrête, arrête, je ne vais pas répondre au téléphone. Si tu vas mais arrête, tu vas répondre au téléphone Vanessa, d'accord? Tu arrêtes de me m'énerver comme ça, d'accord? Tu vas aller répondre au téléphone. Arrête de me tirer. Mais je te tire si je veux. Tu réponds au téléphone avec ton pied. Voilà. Au moins elle a répondu au téléphone. Allô, allô, la police? Ah bah voilà, attends, apparemment, ah d'accord, c'était de la pub. Bon, finalement, fallait peut-être pas répondre parce que c'était de la pub. Bon bah désolé Vanessa, on sait jamais, hein. Allez, dernier niveau. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, il veut battre le record du monde. Allez, cours, cours, cours.
attends, je vais t'aider un petit peu. Ah d'accord, faut que je chope ça. What? Mec, elle s'est transformée en étoile de mer là, c'est n'importe quoi. Hop. Mec, à quel moment tu sautes comme ça? Attention, tu vas bien sauter, Vanessa. Saute comme ça là. Tam, tu mets un petit pied comme ça. Comme ça. Oh là 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 là, incroyable. La performance est incroyable. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, ouais, j'attends. Hop, comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Je t'ai cassé les jambes, mais c'est pas grave. Elle a réussi à battre le record du monde. Let's go. Nous sommes tellement fiers de toi. Bah, tu peux l'être parce que elle a fait des positions super bizarres. Bon, mais écoutez, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'adore ce genre de jeux qui n'ont littéralement aucun sens. Ça m'amuse de fou. Par contre, je retiens que j'ai payé 3 euros pour ne plus avoir de pub et j'ai eu au taquet de pub. C'est n'importe quoi. Bref, cette vidéo t'a plu, tu peux me le dire dans les commentaires. Si tu t'ennuies, clique pour voir une autre de mes vidéos totalement masterclass juste ici. Nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Wissam. Gros bisous à la prochaine. Ciao, ciao.